Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Luthor. Ah, ça me fait plaisir. Ça y est, les gars. Ça y est, je vous l'ai dit, on reprend le rythme des vidéos. Dès qu'il y a une info, c'est sur la chaîne, sur FIFA, sur UFL, sur eFootball, sur les jeux de foot en général. Bref, c'est ici que ça se passe. Donc abonne-toi pour rien louper. Et n'oublie pas d'activer la cloche. Clochardise-toi, c'est pour la bonne cause, c'est pour rien louper. On approche enfin du dénouement, puisque comme vous le savez, je vous le répète si vous ne le savez pas, le 17, donc lundi, on va enfin avoir un live sur UFL où on va découvrir le gameplay. Donc ce ne sera pas nous qui jouerons, mais ça va quand même nous donner plein d'indications et je vous le répète, on fera un live en même temps qu'eux pour décrypter tout ça. Sauf que Strikers, hein, bah, ceux qui éditent le jeu, ils nous ont donné de nouvelles infos, ils nous ont montré une vidéo sur comment en fait ils avaient fait pour capturer les mouvements de leurs joueurs. Et du coup, bah, on apprend quand même des choses très intéressantes. C'est pour ça que je voulais vous faire une vidéo là-dessus. Donc c'est parti pour la vidéo sur UFL. Let's go les amis. Je me suis assis parce que ça va être plus simple vu qu'on va regarder la vidéo YouTube. Animation système épisode 1. Ça veut dire qu'on va avoir plein de vidéos. Ils vont nous expliquer, à mon avis, le développement de leur jeu. Et ça, moi, ça me plaît beaucoup. La première chose qu'on peut noter, bah, c'est qu'ils savent vraiment, vraiment, vraiment faire leur trailer. Au niveau du rythme, au niveau des images choisies et au niveau de la musique. Bah, vous allez voir que par rapport notamment au trailer d'eFootball, je suis désolé, je reviens là-dessus. Mais en fait, le trailer d'eFootball, maintenant, c'est devenu un étalon, c'est-à-dire que, pas un étalon de cheval, hein, c'est-à-dire une mesure où en fait, bah, c'était tellement nul que, bah, on compare à ça, tu vois. Et ceux qui arriveront à faire pire qu'eFootball, à mon avis, ils vont devoir s'accrocher pour faire pire parce que c'était vraiment du high level, enfin du bas level, mais enfin bref, t'as compris, on continue. Première chose qu'on apprend sur ces petites images, c'est qu'il y a bien de la capture de mouvement. On voit deux joueurs, et vous allez voir qu'on va les voir après. On voit deux joueurs avec les capteurs. Donc, ils ont capturé, ils ont fait de la motion capture sur des vrais joueurs. Alors, vous allez me dire, ouais, bah, c'est normal. Non, en fait, ce n'est pas normal. Il y a des jeux de foot bah, qui pourraient très bien s'en passer. Donc là, c'est le cas, il y a du motion capture. La seule différence, par exemple, avec FIFA ou eFootball, c'est que là, ils ont pris des joueurs de foot, tu vois, des joueurs apparemment de bon niveau, hein, mais ce n'est pas les vrais joueurs. C'est-à-dire que bah, pour avoir, par exemple, Messi, ils n'ont pas pris Messi. Alors, est-ce que, par exemple, Firmino, Zinchenko ou Lukaku, eux, ils ont fait leur propre motion capture? Bah, ça, on ne le sait pas dans cette vidéo, mais moi, je pense, parce que rappelez-vous de l'image de Lukaku avec sa frappe, c'était vraiment lui, tu vois. Donc, c'est quand même très, très intéressant ce truc-là. Donc, je vous passe tout ce que notre ami Cyril nous dit. Mais déjà, il nous explique que toutes les captures sont faites sur Unreal Engine. Donc, voilà, c'est vraiment de l'Unreal Engine. C'est du 4, hein, je vous le rappelle. Et que leur but, c'est de faire des mouvements réalistes. Ça, déjà, c'est très, très, très important parce qu'on se demandait si on n'allait pas avoir un jeu super arcade. Bah, déjà, je ne vais pas vous mentir, avec des mouvements réalistes, bah, c'est compliqué quand même de faire un jeu très, très, très arcade. FIFA, il est arcade, mais on pourrait très bien avoir un jeu beaucoup plus arcade que FIFA. Tu vois, vraiment un jeu de foot, mais par exemple avec des mouvements, je ne sais pas, à la Mario Strikers, ou tu vois, un délire comme ça, vraiment pas du tout réaliste. Donc là, on reste quand même sur un jeu réaliste. Ça, c'est quand même un point très important. Sur cette petite image-là, on voit que c'est Zinchenko, tu vois, on le reconnaît. Vous remarquez bien sûr qu'il n'y a pas la licence de City, ça c'est normal, puisque bon, ils ne sont pas partenaires, c'est partenaire FIFA City. Mais regardez bien son mouvement, alors c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Est-ce que là, c'est vraiment Zinchenko qui a fait ce mouvement? Franchement, c'est possible, hein, c'est possible. Ça, faudra bien sûr avoir la confirmation, mais par rapport à ça, en tout cas, ça sent bon. Là encore, je trouve que franchement, le contrôle orienté de Zinchenko, il est très réaliste, tu vois. Franchement, là, il n'y a rien à dire là-dessus.
Le copain Denis avec son pull, franchement dégueulasse, on va pas se mentir. Denis, franchement frérot, t'aurais pu faire un petit effort, tu vois. Alors genre, ils mettent un pull, ça fait style, tu vois, on est une boîte jeune, machin, start-up, bref. Il nous apprend un truc très intéressant, malgré qu'il a un pull dégueulasse. Il nous apprend que ça fait 3 ans qu'il travaille sur la motion capture. 3 ans de motion capture, c'est franchement énorme. Après, je vous rappelle qu'ils partent de zéro, c'est-à-dire qu'ils peuvent pas réutiliser de la motion capture des années précédentes comme FIFA ou PESI Football. Eux, ils ont été obligés de tout faire du départ. Mais ça veut dire quand même que c'est un point très important pour eux. Donc, bon point encore une fois. Je voulais passer en accéléré, hein. Je voulais pas qu'on fasse les 2 minutes 30 de vidéo, 2 minutes 07 exactement, parce qu'il y a plein de blabla, il y a des trucs franchement dont on s'en fout un peu. Donc n'hésitez pas à aller la voir sur leur chaîne. Mais on apprend quand même, comme je vous l'ai dit, des trucs très intéressants. Et bien sûr, ne nous emballons pas. Déjà, lundi 17, on va avoir un gros point qui va être soulevé. Mais ce qu'on a vu aujourd'hui, moi je trouve que c'est encore très rassurant. Les micro-images qu'on a vues de gameplay, moi, elles me plaisent beaucoup, tu vois. Ça me ramène à Lukaku, son animation, elle m'avait plu beaucoup. C'était son visage, moi, qui ne m'avait pas plu. Alors, ils ont amélioré ça, hein. Ils ont mis un nouveau tweet où ils ont montré qu'ils avaient amélioré ça. Alors, personnellement, c'est pas un truc de fou, je trouve, le visage de Lukaku, même amélioré, je ne vais pas vous mentir. Mais par contre, sur l'animation de Lukaku et sur ces animations-là, oui, je suis désolé les gars, je suis désolé parce qu'il y en a qui vont dire « faut pas s'emballer », je pense que même s'ils nous sortent le meilleur jeu du monde, les mecs « faut pas s'emballer », moi, je continue d'être hypé, mais bien sûr, en gardant mon œil critique. Et quand il y a des trucs qui me plaisent pas, comme le visage la dernière fois de Lukaku, je le dirai. Mais je suis désolé les gars, UFL, ils continuent de faire monter la hype avec cette vidéo numéro 1. Donc, j'attends vraiment les prochaines. Est-ce qu'ils vont nous en sortir très régulièrement jusqu'au 17 ou après jusqu'à la sortie? Je sais pas. En tout cas, moi, j'ai hâte d'être à lundi 17 pour découvrir le gameplay avec vous. À mon avis, l'annonce de la date de sortie va suivre très très près le 17. Ça se trouve, ce sera même lundi, on aura le gameplay ou peut-être la semaine d'après. Mais à mon avis, ça va être très rapide. Donc, vous voyez que là, UFL, ça arrive à grands pas. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes toujours hypé ou pas du tout. Hein. C'est possible aussi. Hein. C'était Luthor, je vous fais des gros bisous. Ciao les mecs !